sur 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, 9 sont présents. Le quorum étant atteint, on peut siéger valablement. Excellences, membres du bureau, Excellences, membres de la plénière, Mesdames et Messieurs cadres et agents de la CNDH, je tiens à remercier de prime abord l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir permis de nous réunir à ce jour dans cette salle de réunion de la Commission nationale des droits de l'homme. Mes remerciements s'adressent également à tous les membres de la Commission nationale des droits de l'homme pour le travail abattu depuis la clôture de la session d'août 2021, en dépit des conditions de travail difficiles. Chers collègues, je voudrais saluer votre détermination et engagement à demeurer fidèle à votre serment dans l'accomplissement de la mission qui est la nôtre, celle de promouvoir et protéger les droits de l'homme en tant que membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Chers collègues, pour faire face aux contraintes de la CNDH, je vous ai vu sacrifier les besoins vitaux de vos familles respectives au profit des besoins de l'institution, soit par des cotisations régulières mensuelles, soit avec des cotisations ponctuelles pour résoudre tel ou tel autre problème, comme qui dirait Bendela Ekoyate. Que la République démocratique du Congo vous soit reconnaissante, ce serait justice. Aux cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme, votre dévouement et surtout les sacrifices consentis dans la réalisation de la mission de promotion et de protection des droits de l'homme, et surtout pendant cette période de crise sanitaire due à la COVID-19, qui a impacté négativement sur le fonctionnement normal de notre institution. Chers cadres, quel est cet œil qui ne vous a pas vu effectuer des descentes sur terrain, soit pour les enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme, soit pour les visites des prisons et autres lieux de détention, soit pour le monitoring des procès, soit dans la collecte des données relatives aux droits de l'homme dans différentes thématiques, et c'est dans des conditions souvent difficiles et sans moyens. Excellences, Mesdames et Messieurs cadres et agents de la CNDH, l'organisation de cette session ordinaire répond aux exigences des prescrits de l'article 31 de notre règlement intérieur qui dispose « L'Assemblée plénière se réunit deux fois par an en session ordinaire. La première session s'ouvre au mois de février. La deuxième s'ouvre au mois d'août. La durée de chaque session ne peut dépasser 30 jours. Vu la durée nous imposée par la loi, la présence de chacun de nous est indispensable tout au long de la session. Cela nous éviterait d'accumuler des arriérés. Excellences et chers collègues, malgré les multiples difficultés rencontrées en 2021, la CNDH a pu réaliser plusieurs activités, parmi lesquelles je peux citer à titre indicatif
1. Dans le domaine de développement institutionnel, acquisition de matériel roulant, dont 4 motos sur le solde de 20 millions de francs congolais restants chez le concessionnaire CFAO, répartis comme suit. Une moto pour le siège national, une moto pour le bureau de représentation provincial de la province de Tchopo, une moto pour le bureau de représentation provinciale, province de Tanganyika, une moto pour le bureau de représentation provinciale, province de Maniema. 6 motos dotées par le gouvernement provincial au bureau de représentation provinciale du Haut-Ouélé, dont 4 mises déjà à la disposition de celles-ci. 3 motos dotées par les PNUD, un véhicule de mobilier et ordinateur doté par la MONUSCO au bureau de représentation provinciale du Kasaï central. Acquisition des bâtiments dotés par les gouvernements provinciaux au bureau de représentation provinciale de Tanganyika, Maniema, Kasaï central et de Lualaba. Sans oublier les acquisitions des terrains destinés à la construction des bâtiments devra abriter certains bureaux de représentation provinciale et antennes de la Commission nationale des droits de l'homme. Extension de la couverture géographique de la Commission nationale des droits de l'homme par le recrutement de 108 nouvelles unités payées au niveau du siège national ainsi qu'au niveau des antennes urbaines et territoriales, amenant ainsi l'effectif de 211 à 319. Formation des cadres et agents de la CNDH, à l'attention des nouvelles unités, organisation des matinées d'imprégnation de la commission, de la mission de la Commission nationale des droits de l'homme. Présentation de la CNDH, nature, mission, attribution. Présentation et échange sur les textes réglementaires, exemple règlement administratif. Atelier de formation sur les institutions des droits de l'homme et les défis de la mission de protection. Atelier de formation sur les messages haineux, sur les discours haineux et messages incitatifs à la haine. Atelier de formation sur la protection des droits de l'enfant, enfant en conflit avec la loi. Atelier de formation des formateurs sur la corruption et le droit de l'homme. Matinée de formation à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Thème, gestion des déchets. Briefing sur les entreprises et les droits de l'homme. Atelier de formation des membres du comité permanent de prévention de la torture sur les instruments de lutte contre la torture. Atelier sur la paix, la réconciliation et la justice transitionnelle. Vulgarisation de l'affaire de route de la Commission nationale des droits de l'homme sur la peine de mort. Élaboration des prévisions budgétaires de la Commission nationale des droits de l'homme pour l'exercice 2022. Organisation des deux sessions ordinaires, dont celle du mois de février et août, ainsi qu'une session extraordinaire pour l'adoption du règlement intérieur amendé de la Commission nationale des droits de l'homme. Mise en place du comité permanent de prévention de la torture au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, sensibilisation.
Sensibilisation des cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme lors de la Journée internationale de la femme sur la femme et les numériques. Matinée de sensibilisation contre les discours haineux et messages incitatifs à la haine. La justice transitionnelle. Réunion d'évaluation sur la situation de la détention préventive et les conditions carcérales avec les OPJ, OMP, les juges et les personnels pénitentiaires. Atelier de sensibilisation et de plaidoyer auprès des responsables des entreprises publiques et privées pour l'amélioration des droits économiques, sociaux et culturels au sein de leurs entreprises dans la ville-province de Kinshasa. Atelier d'échange d'informations et de plaidoyer auprès des autorités pour leur implication dans l'amélioration des droits économiques et sociaux au sein des entreprises. Atelier de sensibilisation et d'échange d'informations avec les membres des mécanismes de lutte contre la corruption. Atelier de formation et de sensibilisation des représentants ou responsables des entreprises publiques et privées en matière de lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Atelier d'échange d'informations et de plaidoyer auprès des autorités des différents ministères et secrétariats généraux sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Émissions radio-télévisées. Sensibilisation du public sur la lutte contre la corruption par les présidents, ateliers d'échange d'informations et de plaidoyer auprès des autorités, ministères et secrétariats généraux sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Publication des rapports. Rapport de visite des lieux de détention dans le cadre du projet de lutte contre l'usage excessif de la détention préventive en République démocratique du Congo. Rapport d'enquête sur le droit économique et sociaux au sein des entreprises dans la ville-province de Kinshasa. Rapport semestriel sur la situation des droits de l'homme janvier à juin 2021. Rapport annuel d'activité 2020 déjà déposé à l'Assemblée nationale. Rapport final des activités réalisées dans le cadre du projet de lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, visite des lieux de détention à l'occasion de la journée africaine de la détention préventive. Enquête sur le droit économique et sociaux au sein des entreprises dans la ville-province de Kinshasa. Sondage d'opinion dans le cadre de la lutte contre la corruption à travers des émissions radio-télévisées Top Congo, CLM 13, Congo 7, monitoring de la situation des droits de l'homme et traitement des plaintes. Dans le domaine de la coopération, organisation des réunions mensuelles avec les organisations non gouvernementales des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme. Organisation d'un atelier d'imprégnation et d'appropriation de la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme pour les députés de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Journée d'échange avec les députés sur le mécanisme national de prévention de la torture logé au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Formation des membres des organisations non gouvernementales des droits de l'homme sur la corruption et les droits de l'homme. Mise en place d'un cadre permanent de concertation de lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Participation aux consultations organisées par
les Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme axé sur le déplacement des populations. Participation à l'élaboration de la stratégie sectorielle du ministère des Droits humains. Excellences et chers collègues, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, la Commission nationale des droits de l'homme a obtenu comme résultat, en dehors de notre pays, 1. Son élection comme représentant des institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique centrale au bureau du réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme. 2. Élection de son président comme vice-président de l'association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. 3. Élection de son président comme membre du bureau mondial de toutes les institutions nationales des droits de l'homme, membre des GANRI. Excellences et chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans revenir sur quelques difficultés majeures d'ordre financier et matériel rencontrées par la Commission nationale des droits de l'homme au cours de l'année 2021. C'est notamment, du point de vue financier, le faible décaissement du budget alloué à la Commission nationale des droits de l'homme, 24% pour les frais de fonctionnement et 0% pour les investissements. Le non-décaissement des frais de fonctionnement des bureaux de représentation provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme. Du point de vue matériel, l'insuffisance en matériel roulant, cas de véhicules de fonction des commissaires. L'insuffisance en équipement et matériel de bureau, tant au niveau national que local. Autre difficulté majeure, l'insuffisance du personnel à tous les niveaux, malgré les recrutements effectués. L'obstruction à la mission de la Commission nationale des droits de l'homme par certaines autorités politico-administratives, judiciaires, policières, ainsi que par certains chefs d'entreprises publiques ou privées lors des enquêtes. L'absence de volonté pour certains gouverneurs des provinces de doter les bureaux de représentation provinciale et antennes de la Commission nationale des droits de l'homme des bâtiments autonomes. Tentative de la politisation et déstabilisation du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme par les bureaux de l'Assemblée nationale. Excellences et chers collègues, pour terminer, à titre de perspective, la Commission nationale des droits de l'homme entend consolider les acquis, renforcer la crédibilité de la Commission nationale des droits de l'homme au niveau national, sous-régional, régional et mondial. Réaliser les activités prévues dans son plan opérationnel pour l'année 2022. Recruter un consultant pour évaluer le plan stratégique quinquennal 2016-2020. Élaborer le plan stratégique triennal par un consultant. Finaliser la rédaction du rapport annuel d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme 2021. Recruter et affecter les animateurs du comité permanent du mécanisme de prévention de la torture. Je déclare ouverte la session ordinaire du mois de février 2022, la séance est levée.